Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment j'ai réalisé à partir de cette image un porte-clés en relief double face. Donc, je vais commencer par créer un nouveau dossier. Donc, on va le nommer tuto porte-clés. Donc là, je vais aller chercher une image que j'ai déjà dans mon ordinateur, puisque c'est une image que je me sers pour faire mon chantournage. Voilà, donc je mets l'image dans mon dossier. Maintenant, je vais aller dans Inkscape. Je vais chercher mon image pour l'ouvrir. Donc pour ça, je la sélectionne. Je vais dans Filtre, Bosselage et Bosselage cireux. Voilà, donc là on active la vue en direct, enfin, l'aperçu en direct, on déplace la boîte de dialogue et là on va jouer avec les curseurs. Donc on commence par le troisième, rogner, jusqu'à faire apparaître l'image. Donc on augmente ou on descend, mais bon, il faut que l'image apparaisse. Donc on règle un petit peu, ensuite on va sur le deuxième curseur et on règle le bosselage comme on le souhaite. Donc c'est ce qui va nous donner notre relief à la fin. Donc on fait appliquer lorsqu'on a trouvé les bons paramètres. Donc je vais enregistrer mon image en format PNG. Donc je vais choisir le dossier où je vais la mettre. Donc là en l'occurrence mon tuto porte-clés. Et je vais la renommer page, tout simplement. Enregistrer et là je vais faire exporter, surtout ne pas quitter sans exporter, sinon faut tout refaire. Donc maintenant je vais sur internet et je vais dans le logiciel 3D.rock. Je vais aller importer mon image, donc l'image que je viens de créer dans Inkscape bien sûr. Donc là je regarde un peu les détails. Donc là elle est en image négative, j'irai changer après et là je vais dans mode setting. Là, je vais épaissir les traits de ma vache pour que les reliefs ressortent mieux. Donc, je refais modèle, rafraîche. Voilà, donc là, les traits sont un peu plus épais. Donc, maintenant, je vais aller mettre mon image en positive. Donc, modèle setting, image positive. Modèle, on rafraîchit encore. Et donc là, je regarde le relief, ce que ça donne. Là, ça me paraît correct. Je sauvegarde. Donc, j'enregistre mon fichier dans mon dossier. Donc là, j'ai mon STL qui est créé. Maintenant, je vais aller dans Fusion 360.
Donc, insert mèche. Donc, le mèche que je viens de créer dans 3D.rock sur Internet. Voilà, je le laisse comme ça, je fais OK. Donc là, je vais aller désactiver l'historique. On fait continuer. Et je vais aller transformer mon mesh. Donc je me mets sur mesh, modifie, réduire. Donc je vais aller sélectionner mon mesh body. Donc je me mets dans face count. Et là, je vais mettre 30 000. Qui doit être à peu près le maximum autorisé par fusion. Voilà, donc là je retourne dans solide, clic droit sur mon mesh body et mesh to prep. Ok, j'ai bien ma 30 000 facettes et je fais OK. Donc là, on attend un peu et il va me recréer mon body. Voilà. Il m'a éteint le mesh body. C'est fait. Et donc là, j'oublie pas d'aller réactiver mon historique. Donc maintenant je vais aller chercher mon image que j'ai créée dans Inkscape. Donc je la mets sur la face du dos. Voilà. Et là, par transparence, je vais l'agrandir. Donc normalement, elle doit correspondre exactement à la taille de mon body. Voilà, donc là, il n'y a aucun espace rouge, comme on voit en haut, qui doit dépasser de chaque côté. Donc, c'est très bien cadré. Voilà, on ne voit rien. Donc, tout est bien cadré. Donc, je vais faire OK. Donc là, je vais éteindre mon body pour avoir mon image. Je vais faire un nouveau sketch, donc sur la face de la vache, le dessin, et je vais créer des lignes. Voilà, je vais faire le contour de ma vache, donc en laissant un petit espace. Bon, là c'est volontaire, après chacun fait comme il le souhaite. Donc on termine et stop sketch. Donc je vais réaligner un petit peu les lignes que je trouve pas bien centrées ou bien écartées. Voilà, et là je vais dans surface et je vais dans extrude. Donc, je vais resélectionner mon sketch. Voilà. Je rallume mon body pour voir ce que je fais et je vais extruder vers le haut. Et je reste surtout en new body. Je fais OK. Donc là, on attend un petit peu. Voilà, il nous a créé un body 2, donc d'extrusion. Maintenant, je vais dans split body. Donc modifie split body. En premier lieu, je sélectionne mon body. Le tout premier qui a été créé. En deuxième temps, je vais prendre le body d'extrusion, donc le deuxième body. Voilà, je fais OK. Donc, je vais éteindre le body, les deux derniers bodies créés. J'éteins également
le canevas, donc ma photo. Et voilà. Donc, ma vache en relief est créée. Bon, ça, c'est pour le fun. Je vais lui mettre un petit peu de peinture. Mais bon, là, vous n'êtes pas obligé. C'est juste pour voir ce que ça donne. Donc là, je vais renommer mon body. On va l'appeler vache. Et je vais le sauvegarder en fichier STL. Donc, clic droit, Save to STL et OK. Je l'enregistre dans mon fichier. Voilà, c'est fait. Donc, je quitte Fusion 360. Et maintenant, je vais aller le créer en double face. Donc, je sélectionne le body que je viens de nommer vache. Je l'ouvre avec 3D Builder. Donc, j'importe mon modèle. Là, je vais le faire pivoter pour par la suite pouvoir l'imprimer debout. Chose importante, sinon les reliefs n'apparaîtront pas correctement à l'impression. Donc là, je vais insérer un nouvel objet, donc là en l'occurrence un cylindre, pour faire le trou de mon porte-clés. Donc je vais le redimensionner. Donc je vais mettre 4 mm. Là par contre, j'aurais dû fermer le petit cadenas qui est au bout, comme ça il m'aurait mis 4 mm sur tous les axes. Là je vais devoir faire un par un, mais bon, c'est pas très grave, ça prend 3 secondes. Je vais déplacer mon cylindre là où je veux que mon trou se fasse. Voilà, on va l'allonger de chaque côté, que le trou se fasse bien. Bon, c'est un peu grand, mais bon, c'est pas grave. Je vais d'ailleurs modifier et soustraire. Voilà, mon trou est fait. Bon, là, je vais lui redonner un petit peu de couleur. J'aime bien avoir les choses colorées. Je pourrais très bien le laisser comme ça, hein, d'ailleurs. Ça sert strictement à rien de me mettre en couleur par la suite, puisque dans le trancheur, la couleur n'apparaîtra pas. Ok, donc là je vais dupliquer mon objet et je fais faire pivoter l'objet que je viens de dupliquer. Voilà, pour pouvoir le mettre dos à dos avec l'autre. Donc là j'ai tapé directement 182 moins 180 degrés, ça va plus vite. Je fais inverser et donc là je fais le faire glisser sous l'autre objet. Voilà, donc j'avoue qu'on voit pas très bien le premier objet, mais bon, normalement il doit se ventouser tout seul. Donc là je vous fais voir en activant les deux objets pour voir que là effectivement ils sont pas reliés du tout, mais si j'éteins le premier et que je remonte l'autre, vous allez voir que ça va se ventouser au premier. Voilà, donc là je rallume les deux et ils sont bien positionnés ensemble. Donc ma vache double face est créée, mon porte-clés est fait, on sauvegarde. Enregistré sous en format STL. Donc on va le renommer vache porte-clés.
enregistrer et continuer. Voilà, on peut sortir maintenant le 3D Builder. Et là, vous allez, comme d'habitude, dans votre slicer préféré, vous la redimensionnez à votre souhait. Donc là, mon occurrence, j'ai pris 50 mm. Et je vous laisse en compagnie du timelapse. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez aimée, ben laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Vous pouvez aller voir également mes autres vidéos. Allez, à la prochaine !